Harry et Meghan sont installés aux États-Unis depuis 2020. Le prince Harry aurait du mal à se faire à la vie américaine. Le Sussex pourrait-il revenir en Angleterre? Ils avaient quitté le Royaume-Uni sans se retourner. En décidant de quitter les rangs de la famille royale britannique en mars 2020, Meghan Markle et le prince Harry avaient dit au revoir à Londres, où ils vivaient depuis leur mariage. Désormais installés à Monte Quito, en Californie, le duc et la duchesse de Sussex ont élevé leurs enfants aux États-Unis. Mais il se pourrait bien qu'ils fassent marche arrière. Selon le New York Post qui a interrogé un ancien majordome de la couronne, en effet, le prince Harry et Meghan Markle pourraient planifier un retour au Royaume-Uni. Je ne dirai jamais jamais, il est toujours possible qu'un jour il veuille rentrer à la maison, il est possible qu'il achète une propriété ici s'il voulait venir plus et que Meghan ne voulait pas venir, a-t-il expliqué. Depuis son déménagement, le prince Harry n'a fait que quelques sauts de puce en Angleterre, souvent pour des tristes raisons, l'enterrement de son grand-père, le prince Philippe, puis les obsèques d'Elisabeth II. Sa dernière venue, pour le couronnement du roi Charles III, cette fête sans Meghan Markle, restée en Californie pour fêter le 4e anniversaire de leur fils Archie. Et selon ce majordome, le duc de Sussex ne s'est toujours pas habitué à la vie américaine et aurait le mal du pays. Je ne pense pas que Harry veuille rompre les liens, a-t-il confié. Depuis quelques mois, cette rumeur semble de plus en plus plausible. Il me semble avoir le mal du pays. Harry rejoue soudainement au polo et boit avec ses nouveaux amis, toute chose qu'il aimait faire au Royaume-Uni, avait déjà déclaré Duncan Larcombe. Meghan et Harry, cette décision brutale qu'ils n'ont pas digérée, Harry a définitivement trouvé son rythme et est très bien installé en Californie. Mais la maison lui manque, a ensuite assuré l'ami et maquilleur de Meghan Markle, Daniel Martin, dans les colonnes de People. Mais si le duc de Sussex réfléchit à un retour en Angleterre, il va devoir trouver une nouvelle demeure. Car il y a quelques semaines, le roi Charles III a décidé de lui enlever la jouissance de Frogmore Cottage, depuis revenu au prince Andrew. Un choix que le couple n'aurait toujours pas digéré. À la minute où l'Amérique s'est réveillée, bang! Le porte-parole des Sussex a confirmé publiquement que c'était vrai, écrivait Rebecca English dans le Daily Mail. Je pense que cela nous montre à quel point ils sont en colère et à quel point ils ont été choqués que cela se produise. On ne leur propose aucune autre propriété, si est-il brutal. À propos de l'auteur Lou Ducrux, politique et royauté sont mes dada, mais les people non, presque, plus de secret pour moi depuis 2016. Kim Kardashian et Céline Dion d'un côté, mais aussi Sigur Rós et Aki Kaurismäki. Ces derniers articles Meghan et Harry dilettantes? Le ridicule nombre de hebdomadaires qu'ils consacrent à leur faux. Quand il y a une baisse de désir. Le secret de Lena Guillou pour ne pas se lasser d'Adil Rami. Brigitte Macron, un très proche collaborateur sur le départ après un épisode pour le moins gênant ?